La parole est d'abord à Maya Kari. Merci, Monsieur le maire. Avec cette délibération, je nous invite, je l'espère à l'unanimité, à soutenir et sécuriser à hauteur de 821 300 euros 42 associations qui interviennent dans les quartiers populaires. Cette délibération est pour nous l'occasion de saluer le travail effectué par ces associations sur le terrain, mais aussi le travail de toutes les directions de la ville de Paris. Les conventions pluriannuelles d'objectifs ont été initiées sous l'ancien mandat par Colombe Brossel, puis amplifiées sous ce mandat par ma collègue Anne-Claire Boux, ici présente. Elles permettent de sécuriser le financement des associations, de les rassurer également et de leur donner du temps pour du travail, car ces conventions sont triennales. Ainsi, les associations ne sont pas obligées chaque année de déposer des projets, de passer du temps sur ce travail administratif et chronophage. Ces conventions nous permettent également de faire un travail plus approfondi avec ces associations, un travail sur leur bilan et sur leurs perspectives. Ce travail associe aussi bien souvent les délégués du préfet et tous les partenaires de l'État. Ce n'est pas forcément une action que je qualifierais de bling-bling, mais c'est vraiment une action de travail en profondeur, de travail sérieux, qui nous permet d'être au plus près dans notre action des besoins des habitants et de faire le point très régulièrement sur ce travail. Je vous invite donc à voter, je l'espère à l'unanimité, pour cette délibération.